Bonjour à tous amis pêcheurs, c'est McFly86 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur le brochet unique. Aïe, je viens de le prendre il y a 2 minutes à peine. C'est super, je suis trop content. Donc repérez bien le temps et l'heure. Ça m'a mis du temps quand même à le sortir parce que il pèse son poids le petit gars. Il faisait plus de 2 kilos. Vers 9h je l'ai pris partant nuageux avec la cuillère ondulante de 14 grammes et toujours au même endroit le spot débroché. Donc comme vous arrivez à 20 mètres, c'est même plus la peine, vous pouvez mouliner. Elle commence à me gonfler, elle, avec ses feux d'artifice. Oui, alors pourquoi les feux d'artifice? Bah tout simplement, on va aller dans le menu, comme ça je vais vous montrer l'unique pour vous prouver que je l'ai pris. Il doit être ici, voilà, il est là. 2 kg 105 le matin, cuillère ondulante de 14 grammes et ça rapporte 4 PO 58 d'XP. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir, tout en haut, il y a une petite bannière. Avec les drapeaux, c'est pour le festival du 4 juillet. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Je n'en sais rien. Il y a aussi un gros tournoi qui va commencer ce soir à 19h. Moi perso, j'y participe pas. Tout simplement parce qu'il faut payer 2000$ pour participer. Et qu'on n'a que 1500$ de récompense si on gagne. Voilà, donc, je trouve ça complètement con. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Chacun son... fait ce qu'il veut. Par contre, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'ils vont déverrouiller tous les étangs spécialement pour ce concours. Donc là, ça peut être sympa pour aller pêcher le saumon, des choses comme ça. Voilà, à condition d'être bien sûr équipé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Et ben, tout simplement, je vais vous montrer. Vous voyez, là-bas, il y a un petit drapeau. Il y a un petit drapeau sur l'étang. Il vous suffit juste, là je peux pas y aller sinon ça va me remettre dans le menu, mais bon, puis je l'ai déjà pris de toute manière. Il vous suffit d'aller sur le drapeau et de faire E il me semble, ou F, je sais plus, et d'y aller tous les jours. Oh là, d'y aller tous les jours, donc vous pouvez gagner des feux d'artifice, hein, je vous montre, j'en ai eu aussi, les gens ils sont contents, ils mettent des feux d'artifice, vous avez juste à faire F et clic gauche. Pour les poser, voilà, ça les tire, les gens sont contents, c'est merveilleux. Ils font les foufous, voilà, bref. Sinon, au Missouri, j'ai eu aussi une cuillère qui marche plus ou moins. Donc celle-là, la cuillère tournante avec bison argenté dessus. Donc je vais la mettre comme ça vite fait, histoire que vous la voyez un peu mieux, voilà. Et... nouveauté aussi, c'est... Tu te pousses le poids de la monture optimale? Merci. C'est un succès qui s'appelle Catching History 1. Et en fait, il vous suffit tout simplement... Alors déjà, si vous en prenez un comme moi, donc je vais vous le montrer. Je sais pas où il est. C'est au Missouri, c'est la Marigane Blanche. Donc je l'ai prise avec la cuillère... ondulante rouge et blanche, voilà, elle est là, Marigane Blanche historique. Elle m'a rapporté 0$, mais par contre, elle m'a rapporté 54 d'XP. Et le fait d'avoir déverrouillé le succès, ça m'a fait gagner 10 PO, 10 pièces d'or. Voilà. Donc après, au niveau 2, vous voyez, on ne gagne pas d'XP non plus. Mais, faut en choper 13 déjà. Mais, niveau 2 doit rapporter logiquement plus de PO, je pense. Ils sont pas évidents à choper. Alors vous pouvez en choper plusieurs de la même espèce, bien évidemment, hein. Vous pouvez choper par exemple plusieurs Marigane Blanche. Moi je croyais pas, mais j'ai vu un gars là à New York qui a pris le brochet maillé historique, qui lui justement en a pris deux apparemment. Donc voilà. Et ils ont tous une petite médaille, une bague. Ils ont été bagués. C'est expliqué de toute façon quand vous en prenez un. Au moment où. À telle année. Donc, elle, ça devait être apparemment en 1796. Voilà. C'est assez particulier, mais c'est sympa. Si vous voulez vous faire. Si vous voulez vous faire 10 PO facilement,
Au Missouri, ça sera cuillère ondulante rouge et blanche de 14 grammes. Mauvais temps ou beau temps, peu importe. Au repère du silure, vous vous mettez tout à droite et vous lancez entre les deux branches au plus loin que vous pouvez et vous ramenez doucement. Voilà. Après, pour le brochet maillé, j'ai eu les infos. C'est avec la cuillère moyenne tigrée de 7 grammes, tigrée rouge de 7 grammes. Et ça va être, vous mettez sur le ponton et sur la droite, et vous ramenez petit à petit. Donc franchement, pour l'unique, j'ai pas beaucoup d'infos, je suis vraiment désolé. C'est pour, franchement, pour vous avouer, c'était vraiment un coup de peau. Je m'attendais pas du tout à le prendre. Parce qu'en fait, j'ai essayé de choper l'historique et puis le gars il me dit non, faut faire par temps de pluie et tout. Donc je me dis bon, bah vas-y, laisse tomber, reprends le maillet. Et là, je lance bah, comme d'habitude au même endroit, tout le temps au même endroit. De toute façon, je suis pas un mec. Je suis obstiné moi. Que quand je veux un poisson, je l'ai quoi. La preuve, ça paye. J'ai lancé et ça a pas manqué, je l'ai pris. J'ai essayé au chineur, j'ai pas réussi à en avoir. Mais en même temps, vu que maintenant il y a trois types de temps pour New York. Il y a le soleil, le nuageux actuellement et la pluie. Voilà, c'est pas forcément évident. Je sais que par temps de soleil, c'est à partir de 16h. Par temps de nuages, apparemment, bah, dès le matin, j'ai envie de dire. Hein, moi, je l'ai pris à 9h, mais en même temps, j'y suis depuis 5h le matin dès que je suis arrivé. Et du coup. J'ai pêché surtout l'historique en fait, essayé de pêcher l'historique. Là, bah, je me remets au maillet et ça a plutôt bien marché. Donc, et c'est concluant, hein, j'ai réussi à choper l'unique. Donc après, bah, si vous avez plus d'infos à me donner, pour moi comme pour les autres joueurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça fera toujours plaisir. Ah, une autre prise. Ça m'étonnerait que ça soit un unique, je viens juste d'en sortir un. C'est pas un unique, vu comment je le ramène, c'est un brochet maillé tout court. Comme je disais, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez des conseils, ça fait toujours plaisir. Pour moi, comme pour ceux qui suivent ma chaîne ou qui suivent mes vidéos Fishing Planet exclusivement, je vous souhaite une excellente pêche. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao!